Cette visite a lieu dans le cadre de, à nouveau des, des Floralies, un bouquet de fleurs pour la Caraïbe qui se déroule sur ma commune, étant donné que le pacte de, des Floralies, qui a déjà reçu deux éditions, nous sommes à quatrième édition, donc une édition à, à Fort-de-France et deux sur le territoire de la ville des trois Îles, un parc appartenant au Conseil général, et nous avons à nouveau initié euh, ce bouquet de fleurs pour la Caraïbe dans le cadre euh, du, donc, avec portant le nom Caraïbes, c'est à ce niveau-là que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire rencontrer quasiment tous les pays de la Caraïbe pour venir au mois de mai 2015 à, une, à un événement. Un événement qui est financé par les fonds régionaux Interreg, donc dont la, la Guadeloupe a, la région Guadeloupe a la, la présidence, hein, la, la gestion. Et pour ce faire, nous sommes venus un... Hein, rencontrer euh, les, les services régionaux. Qui, euh, il y a aussi euh, cette volonté de voir euh, cette niche euh, en termes d'horticulture se développer, mais aussi euh, pour euh, le rassurer que euh, Cet événement aura bien lieu et que la ville euh, des Trois-Îlets euh, compte euh, effectivement consommer ses fonds, ses fonds européens. Bon, chaque pays pourra montrer sa richesse florale. Vous savez euh, les difficultés qu'il y a en termes phytosanitaires. Donc nous allons demander, nous demandons effectivement à tous les pays de la Caraïbe de venir au mois de mai à, à la Martinique, hein, aux Trois-Îlets euh, singulièrement, pour pouvoir présenter leur production et savoir ce que euh, ces pays produisent. Bon, bien sûr, euh, la Martinique comme la Guadeloupe, nous recherchons des nids de développement pour, pour nos jeunes, pour la formation, pour un emploi jeunes horticulteurs ils permettent une certaine pérennité à cette filière qui a bien fonctionné euh, il y a un certain temps, puisque aussi bien la Guadeloupe que, que la Martinique, euh, nous exportons euh, des fleurs euh, vers, euh, vers les pays européens. Et voilà, euh, depuis quelques années, ce n'est plus le cas. Bien, bien sûr, nous allons rencontrer l'INRA, euh, comme vous le savez, qui, qui est basée particulièrement à la Guadeloupe, pour euh, euh, à nouveau euh, relancer euh, des études pour euh, permettre euh, le développement euh, de cette activité, disons, agricole. Voilà, donc euh, les autres pays de la Caraïbe que nous, allons, nous avons déjà visités, euh, Sainte-Lucie par exemple, là nous avons les vitraux plans à Sainte-Lucie qui a été financé par des pays asiatiques, mais qui, euh, qui sont des, des saint lucien utilisent ces vitraux plants et peuvent nous produire... Donc, la, en fait, c'est la démultiplication d'une fleur, d'une plante, une, qui euh, nous pouvons l'avoir en petite quantité, disons 10 000 plants, par exemple. Tel n'est pas le cas de ce que nous pouvons recevoir d'Europe, parce que là, à ce moment-là, il faut recommander 100 000 et non 10 000. Donc, euh, voilà, euh, c'est ce partenariat que nous recherchons auprès des pays de la Caraïbe, auprès des scientifiques de la Caraïbe, parce Que lors de, cette, de cet événement, nous allons demander à des scientifiques, professeurs de l'université Trinidad et autres et des West Indies de venir à la Martinique pour présenter effectivement les recherches en termes de, 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 de fleurs et d'horticulture. Il n'y a pas que les fleurs, et les plantes aussi sont des fleurs. Et vous savez, de plus en plus, nos jardins sont aménagés. Et là aussi, dire aux jeunes Guadeloupéens martiniquais et de la Caraïbe que c'est un métier qui, qui a aussi demain. Des, des retombées économiques et qu'il faut aller vers cela. Donc euh, il faut diversifier euh, nos activités économiques, il faut diversifier nos emplois. Et bien euh, c'est ce qu'a choisi la ville des Trois-Îlets qui euh, devrait effectivement au mois de mai organiser la quatrième édition euh, des Floralies euh, comme ça a, a eu lieu pendant, euh, depuis 1972 à la Martinique part de la Guadeloupe, c'est que nous avons, on va dire, euh, la, la même euh, biodiversité, nous avons pratiquement euh, les mêmes plantes, nous avons pratiquement la même faune, la même flore. Donc, cette déclinaison de, de, de ce projet présenté par euh, la ville des mais cette déclinaison peut se faire en Guadeloupe sur justement des terres que nous avons, qui sont euh, aujourd'hui, on va dire, euh, pour ne pas les utiliser un mot qui va, qui va fâcher, ce sont des terres qui sont polluées au chlordécone et on ne peut pas forcément faire des, des, des cultures qui sont euh, qui vont se retrouver dans l'assiette du consommateur, mais euh, qui pourront justement euh où on pourra justement faire, on va dire, des, des cultures, faire de la production horticole. Donc cette déclinaison peut se faire comme ça en, en Guadeloupe. Bien sûr, déboucher, emploi, et quand on parle de niche, eh bien, nous, on voit aussi des niches touristiques, puisque avoir une, une production horticole qui ne va pas concurrencer, c'est vrai, l'exportation, mais qui peut être en plein vers les, les pays de la Caraïbe, maintenant que nous faisons partie de l'AEC. Il faut trouver les voies et moyens pour pouvoir commercer avec les îles de la Caraïbe, vu que nous avons, on va dire, des, des fleurs en Guadeloupe ou en Martinique qui valent le détour. Donc, inciter aussi nos, nos jeunes par des filières qui devront être accompagnées par les collectivités pour que nos jeunes... Puissent euh, aborder, on va dire, euh, sereinement euh, ces, euh, ces métiers d'horticulteurs. De, de, et c'est vrai, donc nous devons, et c'est ce que nous faisons, accompagner la recherche, accompagner euh, l'INRA euh, qui fait un travail extraordinaire pour euh, améliorer, pour éviter que, euh, que les, les, les maladies n'arrivent au niveau de nos plantes et au niveau de nos, de nos fleurs. Donc il y a aussi un accompagnement conséquent à faire, euh, à accentuer au niveau de la recherche. Pour que nous ayons des fleurs qui soient des fleurs exportables, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une production florale, il faut avoir une production florale qui soit, on va dire, en bonne qui santé, rapporte. qui rapporte, qui soit meilleure que les autres, qui soit exportable dans, dans, dans la Caraïbe et voire, voire en Europe, puisque nos fleurs sont des fleurs spécifiques à nos contrées. Donc, l'accompagnement de la recherche, me semble-t-il, doit être évident et pérenne.